réveille de malheur. Et ne reviens jamais sonner ici où tu finiras en pièces détachées. Bonjour, Garfield. Bonjour, Squeak. Les réveils de matin devraient être interdits à la vente. Salut, Garfield. Ah, bonjour, Squeak. D'abord réveil, ensuite matin. Deux mots que je déteste. Pourquoi pas sommeil midi ou sieste mélodieuse? Salut, salut, Garfield. Salut, salut, Squeak. Il est déraillé pas un peu, Squeak? C'est la troisième fois qu'il me dit bonjour. Ben, j'en étais où? J'ai une de ses fous. Encore un thé, dernier essai. Hé, il y a des souris et des âmes ce soir à la télé. C'est la fête des souris ici. Ouf, après tout, c'est l'heure à faire. Hein? Mais là, ça devient mon affaire. Squeak! Qui m'a appelé? Tu vois quoi dans ma gamelle? Rien. Oui, et c'est bien le problème. Ah bon? Écoute, Garfield, on est amis depuis longtemps. Sois sympa, je peux tout t'expliquer. Oh, ne touche pas à ma gamelle. Mais c'est ma famille, Garfield. Ce sont tous des oncles, des cousins, des neveux. Ils ont tout perdu. Ils vivaient si heureux dans cette vieille maison du coin de la rue qui a été démolie. Oh, ne touche pas à ma gamelle. Je ne pouvais quand même pas les mettre dehors. Sans abri, sous la neige, par ce vent glacé. Il fait 33 degrés à l'ombre. Tu connais la règle, on ne touche pas à ma gamelle. Tu me serres un peu fort, et je t'assure qu'ils vont se tenir tranquilles. Ils peuvent même être utiles, et pourquoi pas, tiens, être tes serviteurs. Mes serviteurs? Uniquement à mon service. Dorénavant, je prendrai mes raisins sans la peau. Sans la peau? Oui, et sans pépins aussi. Et pépinés? Oh! La vie est dure, parfois. Combien de temps je pourrais tenir comme ça? Oh, je ne sais pas, peut-être 20, 30 ans. Plutôt 20 ou 30 petites secondes. Vite, tous aux abris! Couvre-feu! Garfield, on est rentré. Malheureusement. C'est quoi le problème? Si John découvre que la maison est pleine de souris, je suis cuit. Ok, pigé. Ah, tu es là, Garfield. On dirait que tout s'est bien passé pendant mon absence. Ah oui, tout s'est bien passé. Ah, Odie, remballe cette ignoble langue baveuse ou je t'en fais un foulard. Tu sais, ça me rassure que mon chat soit à la maison quand je suis sorti. Et moi, j'adore quand t'es pas là. C'est bon de savoir la maison à l'abri des voleurs, des colporteurs, des rongeurs, surtout des souris. Non, Dick, ça ne sent pas du tout la souris. Tu dois être victime d'une hallucination olfactive. Fais-toi réviser la trèfle. En promenant Odie, je me suis dit vivement que je sois chez moi. Je vais m'asseoir et bouquiner tranquillement dans mon fauteuil. Je sais que ma maison est garantie sans souris. Je peux avoir une vie sereine sans craindre que les souris envahissent mon petit paradis. Ah, je reviens. J'ai un petit creux, moi. C'est pas supportable là-dessous, un peu plus chaud. Au lieu de cuisiner, pourquoi ne pas commander des lasagnes chez Luigi avec Garfield? Je rêve, vous êtes une souris. Une souris? Quelle souris? Dans ta patte. Ce ne serait pas une souris. Quoi, ça? Oh, qui a un jouet, d'accord? Oh non! Non, c'est qu'un petit jouet pour chat. Ça fait même quick, quick.
Oh, c'est juste un jouet pour chat qui fait couic-couic quand on appuie dessus. Couic-couic. Ouais, pas très réaliste. Bon, tant que c'est pas une vraie. Ah, oh. Je l'ai. Oh. Raté. Garfield a dit de rester caché. Garfield, c'est toi qui as fini mes biscuits préférés? Oh, prêt mieux de filer. Comme si je ne te nourrissais pas assez. Il y a des souris dans le placard. Oh non, il y a des souris dans le tiroir. C'est privé. Vous gênez? Vous voyez pas que je suis dans mon bain, non? Garfield! On m'appelle? Oh, mais il y a des souris partout! Mais comment est-ce possible? C'est incroyable! Oh, j'entends qu'on a besoin de moi là-bas aussi! Garfield, c'est par ici que ça se passe. J'avais trouvé ce site il y a quelques semaines, au cas où. La société s'appelle Ratator Express. Ratator Express? Viens voir par ici. Mais si on profitait plutôt d'être connecté pour commander une pizza, tu disais que t'avais faim. Rongeurs dans votre intérieur, n'attendez pas. Contactez Ratator Express. Une de nos équipes de spécialistes se présentera à toute heure chez vous pour chasser l'envahisseur. Le rongeur qui survivra à Ratator Express n'existe pas. Il pourra toujours courir, ramper, supplier. Il n'échappera pas à nos techniciens souricides. Ratator Express, la terreur des rongeurs. Cliquez ici pour une intervention dans l'heure.